commencer, je vous propose un petit jeu. Le siège sur lequel vous êtes assis en ce moment, imaginez que c'est un siège de voiture. Assis, bien attaché, et vous roulez à 200 km/h. Et au loin, en face de vous, vous voyez un mur, un immense mur. Vous allez droit devant. Le chauffeur à côté de vous, inanimé. Vous avez trois solutions. La première, je saute par la fenêtre. La deuxième, je m'accroche, je ferme les yeux et surtout je serre les fesses. La troisième solution, j'essaie de prendre le contrôle de la voiture et d'éviter le mur. Quel sera votre choix ? Maintenant, si je vous dis que la voiture dans laquelle vous êtes assis, c'est notre planète, et nous n'en avons qu'une, et elle fonce droit dans un mur. Ensemble, nous fonçons droit dans un mur. La solution, sauter par la fenêtre, vous pouvez oublier. Il vous reste maintenant deux solutions. Et ensemble, je vais vous expliquer pourquoi c'est la troisième solution qu'il faut retenir. Prendre les contrôles et éviter le mur. Avant cela, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un petit garçon, un petit Martiniquais, qui a grandi heureux à Fort-de-France, dans une grande famille, quatre enfants. Et ce petit garçon aimait avant tout la pêche. La pêche à la rivière, la pêche à la mer, avec papa, les cousins, les tontons. Son enfance a été bercée par des magnifiques histoires de pêche. Quelque chose qu'il aimait beaucoup, c'était la pêche à la rivière. Ils avaient un petit rituel. Quand ils arrivaient sur une rivière, ils se posaient, ils posaient leurs affaires. Et avant de sortir les lignes, on prenait un petit bout de pain. Un petit bout de pain rassis si possible. On envoyait dans l'eau pour regarder ce qui se passait. En général, des petits poissons venaient, touchaient un petit peu au bout de pain, le titillaient. C'était bon signe. À ce moment-là, il y en avait un qui commençait à préparer les lignes. On envoyait un deuxième petit bout de pain. Les petits poissons continuaient. Et puis un moment, foup, le pain disparaissait. Là, les gros étaient sortis. Et là, on lançait les lignes et là, la pêche pouvait commencer. Ce petit garçon a donc grandi en étant bercé dans des histoires de pêche. Il allait se coucher la nuit avec des poissons plein la tête et il était heureux. Et un jour, il a dû partir, loin d'ici, en France, faire des études. Il a intégré une école d'ingénieur. Pas facile. Nouvelle culture, nouveau pays, nouvelle température. Pas facile, mais il s'est battu. Il s'est battu pour représenter son île, pour représenter sa famille, pour qu'on soit fier de lui. Et il a réussi. À 23 ans, diplôme d'ingénieur en poche, il savait faire voler des avions, il savait gérer des projets à plusieurs millions d'euros. Il était content. Fier de lui, sa famille était fière de lui, tout le monde. Son île pouvait être fière de lui. Et puis un jour, il est rentré en vacances, en Martinique. Et il s'est dit, je vais aller pêcher. Non, c'est pas vrai. D'abord, il s'est dit, je veux manger un migant de fruits à pain. Parce que quand vous avez passé un hiver en Bretagne, le migant de fruits à pain, c'est important. Une fois rassasié, il part avec son père, son petit neveu qui est un pêcheur apprenti, et ils vont dans une rivière qu'ils connaissaient bien. Ils arrivent, le petit rituel, on se pose, on envoie un petit bout de pain. On attend. Rien. Les petits poissons qui normalement viennent au début pour appâter un peu les groupes, rien. Ah, le petit bout de pain se fait emporter, il part dans le courant. Bon, on envoie un deuxième petit bout de pain. Il flotte, se laisse emporter. Rien. Ah, il n'y a plus de poisson. Bon, on va essayer une autre rivière. Il se déplace. Deuxième rivière. Petit bout de pain. Rien. On va changer de côte. Il passe sur la côte Caraïbe. Rivière. Petit bout de pain. Rien. Et là, notre petit garçon devenu grand a regardé son papa, a regardé son petit-neveu, trois générations réunies, et il ne comprenait pas. Ils ont ressenti une profonde tristesse devant ces rivières mortes, mais surtout de l'impuissance. De l'impuissance parce qu'ils ne savaient pas quoi faire finalement. Ce petit garçon, c'était moi. Ce choc, cette tristesse, cette impuissance devant les rivières mortes de mon île, je l'ai ressenti à 23 ans. Et j'étais désemparé.
J'ai figé et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu ça. Des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes. De la pollution. Partout où l'homme passe, une empreinte indélébile qu'on laisse. Des inégalités entre les riches et les pauvres, entre le nord et le sud, grandissantes, qui poussent des millions de gens à fuir leur pays pour essayer de trouver une vie meilleure. Des guerres, des famines. Tout ça sur notre petite planète. La seule que nous avons. Et ce sentiment d'impuissance. Je me sentais impuissant. Quand je parlais aux gens autour de moi, mes proches, mes amis, on avait tous... Souvent, on me disait, mais on ne peut rien faire. En Martinique, c'est toujours la même chose. Le pays est contrôlé par des grands groupes. Au niveau mondial, c'est la même chose. C'est les mêmes politiques qui décident. C'est les mêmes grandes entreprises qui décident. On ne peut rien faire. Ce discours revenait souvent. Alors, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de voyager, de m'exporter et d'aller retrouver quelque part cette force pour éviter ça. La fin de notre civilisation, notre destruction. Parce que d'autres avant nous ont eu des problèmes et n'ont pas forcément su les surmonter et ont disparu. Alors j'ai voyagé. Je suis parti, j'ai vécu dans plusieurs pays, plusieurs continents, l'Australie, le Burkina Faso, le Canada, la France, la Martinique, le Mexique. Et partout j'ai rencontré des gens, je suis rentré en contact avec des gens qui vivaient les mêmes problèmes que nous à d'autres échelles. Et ces gens m'ont transmis une force. Par exemple, au Burkina Faso, j'ai travaillé avec des productrices de beurre de karité, des femmes extrêmement fortes qui, depuis des siècles et des siècles, font du beurre de karité naturel, biologique, et qui, aujourd'hui, se retrouvent en concurrence avec L'Oréal, L'Occitane, toutes ces grandes boîtes internationales, et qui, finalement, n'arrivent plus à vendre leur beurre de karité autour d'elles en Afrique, parce que l'Afrique se met à acheter des produits européens. Et ces femmes, mères de famille, la plupart illettrées, on leur demande de faire des sites web, de faire du marketing, pour prouver que leur beurre de karité qu'elles font depuis des siècles est meilleur que les autres. Alors, est-ce que vous pensez qu'elles vont baisser les bras et arrêter ? Non, non, elles ont une force, elles ont une puissance de continuer. Et c'est cette puissance-là qu'elles m'ont transmise. Au Canada, j'ai rencontré Al Gore, l'ancien vice-président américain, qui a fondé son ONG, Réalité Climatique, dont le but est de faire prendre conscience aux gens de l'urgence des changements climatiques et de l'urgence de l'action. Et lui aussi m'a transmis cette force. Lui aussi m'a emmené avec lui et je suis devenu ambassadeur de son ONG. Tous ces gens-là que j'ai rencontrés, finalement, m'ont redonné confiance en moi. Et on fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer en Martinique et d'essayer de faire avancer mon pays et de transmettre cette puissance et cette force que l'on m'a donnée. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré des fous, si on veut dire, mais des gens qui partagent ma passion et ma vision. Et ensemble, on a créé une entreprise, Green Technology, une entreprise martiniquaise dont le but est de promouvoir l'utilisation saine de l'énergie. Moins d'énergie, plus d'énergie renouvelable. Pourquoi l'énergie ? Parce que l'énergie, c'est un enjeu clé en Martinique. Vous êtes-vous déjà posé la question de l'impact d'un plein d'essence ? Vous arrivez à la station-service, vous vous garez, vous tendez les clés au pompiste et vous demandez le plein, s'il vous plaît. 70 euros dans votre porte-monnaie, ça vous le savez. Une bonne centaine de kilogrammes de CO2 émis près de votre domicile, près de l'école de vos enfants, quelque part sur l'île. Des gaz nocifs, etc. Mais ce pétrole, il a fallu le faire venir ici. C'est plusieurs milliers de kilomètres dans des super tankers au-dessus de l'océan, au-dessus de la mer des Caraïbes, de nos beaux récifs coralliens. Plusieurs milliers de kilomètres dans des pipelines à travers des pays entiers, à côté de villages où vivent des familles comme vous et moi. Ce sont des puits de pétrole, ce sont des multinationales qui investissent dans des pays en développement. Ce sont des guerres causées par ce pétrole. On peut même dire que ce sont des attentats. Les centaines de morts de Paris du 13 novembre dernier ne sont pas morts à cause d'un dieu. Ils sont morts pour du pouvoir, pour de l'argent et pour du pétrole. C'est tout ça qu'on porte quand on fait le plein d'essence. Alors si maintenant,
On avait tous une voiture électrique alimentée par des panneaux solaires. Si maintenant notre maison était alimentée par des panneaux solaires, et c'est faisable, pour 90 euros par mois, vous pouvez avoir des panneaux photovoltaïques sur votre maison et prendre votre autonomie par rapport à tout ce système qui dépend du pétrole. Nous avons le choix, c'est faisable. Maintenant, il n'y a pas que dans l'énergie qu'on a du pétrole. Notre mode de consommation. Comment ça se fait qu'en Martinique, on mange autant de pommes et de raisins ? Comment ça se fait qu'en Martinique, on mange autant de produits processés, suremballés, qui ont traversé de l'Atlantique ou même toute la planète pour arriver chez nous ? Alors qu'on vit sur une île où la nature est luxuriante, où à longueur d'année, on a des fruits et des légumes de qualité. Et où surtout, on a des agriculteurs, des artisans locaux qui font la promotion de ces choses-là. Je vais citer deux entreprises qui ont été créées il y a moins d'un an. La Box Nature, une entreprise créée par deux jeunes femmes et qui vous livre chez vous ou à votre travail une box, comme ils disent, remplie de fruits et légumes locaux, de qualité, biologiques. Vous avez juste un clic à faire sur Internet. Une autre entreprise créée par une femme, là encore, les Jardins de Wael. C'est une jeune fille qui a travaillé avec son père dans l'agriculture et qui aujourd'hui a décidé d'amener ce service aux gens. Encore livraison, fruits, légumes, du jus, des marmelades, des confitures, des choses comme ça. On a le choix. Le choix est entre nos mains. Noël est dans 4 jours. Qui dans la salle n'a pas encore tous ses cadeaux ? Vous me rassurez, je ne suis pas le seul. Maintenant, nous avons 4 jours pour trouver ces derniers cadeaux. Entre-temps, on doit travailler, on doit s'occuper des enfants et on doit préparer la réception de la famille, etc. Alors, on peut, quelque part, dans ces 4 jours, trouver le temps d'aller dans un de nos fameux centres commerciaux, avoir du mal à se garer, prendre des embouteillages, se battre à moitié pour trouver les derniers produits, payer quelque chose de trop cher pour finalement ne pas vraiment être satisfait du résultat, de l'impact que le cadeau aura sur la personne. Ou alors, si on se posait, si on réfléchissait et qu'on essayait de faire quelque chose de différent. Par exemple, on pourrait offrir du temps. Du temps de babysitting à votre sœur, du temps une après-midi avec votre mère. On pourrait offrir quelque chose à manger. Vous cuisinez un bon petit plat pour quelqu'un que vous aimez, ça lui fera plaisir. Vous pouvez offrir de l'artisanat local, un produit local. Vous pouvez offrir une expérience, un massage, une soirée au restaurant. On a le choix. On n'est pas obligé d'aller forcément dans les mêmes magasins, faire les mêmes choix de consommation que nous avons fait l'année dernière. Si je résume, on veut consommer moins d'énergie et plus d'énergie renouvelable. On veut consommer moins de biens de consommation neufs. On peut promouvoir aussi l'échange, la seconde main, etc. Et finalement, on veut promouvoir l'artisanat local et l'agriculture locale. Déjà, si on réalise ces 3 choses-là, on commence à se sentir plus libre. Plus libre de ses choix, plus moins attaché à un système. On commence à avoir plus de temps. Je vous le dis parce que je le fais au fur et à mesure, et c'est vrai, on a plus de temps, plus d'argent, une meilleure qualité de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste pour réellement éviter ça ? Éviter que notre voiture, notre planète, fonce dans le mur. Il faut en parler. Il faut créer quelque chose. Il faut ramener du monde avec nous. Parce que tout seul, à 23 ans, devant cette rivière vide, je me suis senti impuissant. Mais en rencontrant du monde qui vivait les mêmes choses, ensemble, on s'est senti puissant. Et voilà la clé. La clé, c'est de s'organiser. Et ensemble, nous pourrons faire changer les choses. Comment s'organiser ? Il faut parler. Il faut faire passer le message. On a des outils Internet qui sont fabuleux pour ça. Et raconter nos histoires, qui d'autre que nous sait le faire mieux ? En Martinique, nous sommes un peuple qui s'est bâti sur les histoires, sur l'imaginaire. Rivan vient de nous en parler. Si je vous dis yé cri, yé mysticri, est-ce que la cour dort ? Non, la cour ne dort pas. La cour ne dort plus. La cour s'est réveillée et veut faire changer les choses. Avant de vous laisser, je vais vous raconter une histoire
que l'on m'a apprise au Canada, c'est une légende amérindienne, la légende du colibri. Un jour, dans une forêt, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux, pris de panique, ont fui l'incendie, courant et laissant derrière eux l'incendie. Et alors qu'ils couraient, ils ont vu un petit colibri passer au-dessus d'eux, en sens inverse, aller au plus près des flammes, et une fois arrivé près des flammes, cracher deux petites gouttes d'eau qu'il avait dans son bec sur les flammes et repartir chercher de l'eau. Alors, au deuxième passage du colibri, les animaux se sont arrêtés. Ils l'ont regardé, ils lui ont dit « Colibri, qu'est-ce qu'on a fait là, au fou ?» Ah oui, dans les légendes amérindiennes, les animaux parlent créole, c'est normal. Donc, ils se sont arrêtés. « Mais petit colibri, tu penses vraiment qu'avec tes deux gouttes d'eau, tu vas éteindre l'incendie ?»« Mais ça ne sert à rien, ce que tu fais. » Et le colibri s'est arrêté, il les a regardés et il leur a dit « Je sais, mais je fais ma part. » « Je sais, mais je fais ma part. » Et la légende amérindienne s'arrête là. Parce que c'est à nous d'écrire la suite. C'est à nous de décider si les autres animaux vont continuer à fuir ou vont aller prêter main forte aux colibris. Ma grande idée pour ma petite île, la voilà. La Martinique, c'est l'île aux fleurs. Soyons des colibris. Chacun d'entre nous, tous ici dans cette salle, soyons un petit colibri qui va faire sa part pour faire changer les choses. Et vous verrez que nous ne nous sentirons plus tout seuls, mais que nous allons créer quelque chose qui ira loin. Antoine de Saint-Exupéry et d'autres ont dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Aujourd'hui, notre terre va mal. Aujourd'hui, notre terre fonce dans un mur. Si demain, nous voulons faire changer les choses, si demain nous voulons que nos enfants et que leurs enfants puissent aller pêcher dans les mêmes rivières où j'ai pêché et où d'autres d'entre vous ont pêché et trouvent des poissons et trouvent une planète en bonne santé, c'est aujourd'hui qu'il nous faut changer. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Merci.